Bonjour à tous, ici Sprelex et bienvenue dans ce 48ème épisode de Let's Play sur Mario plus les lapins crétins Sparks of Hope. Allez, on va rentrer dans le tuyau, ce qui va nous emmener en haut du... C'est ça. Et je peux pas grimper. Parce que l'échelle n'est pas... Bon, d'accord. J'aurais essayé. Oui, donc non, c'est bon, c'est comme ça, mais c'est... Ici. C'est là-bas qu'il faut pas aller. Circuit qui active le pont planté, il faut trouver et relancer le panneau de contrôle. Alors il y a un maléficio, c'est pas le maléficio. Bon, c'est pas grave. Un maléficio c'est toujours bien. Alors, voyons un peu... Vaincre 4 maléficiaux et il y a des Goombas qui traînent avec. Ok. On se retrousse les manches. Oh ouais. Ah bah tiens, j'ai tombé. Alors, voyons comment je vais faire ça, moi. Là, Mario, tu pourras en toucher qu'un seul. Mais au moins, ce sera fait. C'est toujours un... donc, si je fais ça... Ah, je peux pas parce que j'ai déjà... Oh, je fais n'importe quoi. Très bien, très bien. Let's go. Whoa!
Mario. Mario vient jusque là. On peut tirer là. 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 Voilà. Let's go. Je suis quand même obligé de passer par les caisses. C'est le jeu. Alors, 3 vaincus, et il y a 4 Maleficio. Cela devrait le faire. Déjà, Luigi, tu pourras te mettre en plein milieu. Fame Story! Mais ici, en plein milieu. Yep. Tu fais une petite soufflette. Tu t'en touches 3. Il y en a tellement un Bien. Voilà. Hors limite. J'en ai tué 2. Bah voilà, fini avec Luigi tout seul. Ok, très bien. Ah, il y a du courant ici, encore à mettre. Sauf que je ne vois pas de câble dans le coin. Je vais peut-être devoir récupérer les... Momo civilisa les lapins crétins. Mais elle avait désormais besoin qu'ils déchaînent à nouveau toute leur folie. Ils rassemblèrent tout ce qu'ils possédaient, utilisèrent chaque atome de cette ingéniosité mal avisée pour créer Mecha Momo. Momo et les lapins crétins démontèrent le terrible robot et recyclèrent sa source d'alimentation pour alimenter le nouveau réseau d'énergie. Momo et les lapins crétins mirent alors le pied au plancher pour transformer le canyon d'Esperado en un paradis des voyageurs et amis de la liberté. Ouais, je vais devoir recycler les pièces de... Ah bah non, ils sont là. J'ai rien dit. Et le 1... Là, ça va être tout droit.
Et c'est ici que... C'est bon, je l'ai. Comme ça, on a débloqué le tuyau. On n'a plus besoin du circuit ici. On peut le récupérer pour le mettre de l'autre côté. Ah non, pour le mettre ici. Ici. Enfin ! Je pensais bien vous trouver ici. Venez, je vais tout vous dire. Les habitants ! Comme vous savez sans doute, les pauvres habitants de la région doivent faire beaucoup avec très peu en matière de technologie. Ils prennent aussi grand soin de protéger des inventions comme celle-ci. Qu'est-ce donc ? Comment ça marche ? Tout est nimbé de mystère. Casque de protection travaille de concert, mais monsieur lunette de protection est nécessaire, qui lui aussi a besoin d'un lunette sincère. Ainsi, monsieur casque de protection et au masque est sollicité. Mais si monsieur pas de protection du tout n'est pas prêt... Les boutons! Leur travail a tous ses fichus et le circuit est interrompu. J'ai comme l'impression que les boutons nous aideront à résoudre cette énigme. Mais comment? À résolver! Faisons honneur aux ingénieurs amateurs du Canyon Desperado. En résolvant l'énigme et en redonnant vie à leur création. Bon, ok. Donc, on avait dit, les casques travaillent de concert. Ok, ça va faire tourner. Travail de concert, mais monsieur lunette de protection est nécessaire. Qui lui aussi a besoin d'une aide sincère. Ainsi, monsieur casque de protection et masque est sollicité, mais si monsieur pas de protection du tout n'est pas prêt. Le travail de tous est fichu et le circuit est interrompu. D'accord, bon, alors.
faut que j'envoie le courant. Ok. Là, en gros. Oh. Mmh. Wow. J'essaye de comprendre, hein. Oui, j'ai compris. Il y a des droits et il y a des anguleux, donc il faudra que je fasse attention. Le courant arrive par au-dessus. Je suis obligé de le faire comme ça. Ici, le courant arrive là. Il a l'air correct, hein, c'est les autres. Voilà, c'est ça. Il y en avait un qui faisait un thé et je savais pas lequel. Ouais, c'est pas mal. Bon sang. C'est c'était quelque chose, n'est-ce pas? Oh, comme c'est ingénieux. Une belle chaîne de production qui en est en effet un circuit. Quelle jolie métaphore. Cet endroit recèle de nombreuses surprises. La plus grande étant sûrement la façon dont il allie la prouesse technologique et artisanale et joie de vivre. Adieu mes amis. Nous nous reverrons tous au prochain mystère. Adieu. Ouais, enfin, je pense plus qu'il y a trop de mystère, mais bon. Donc, je reviens ici. Alors, j'ai un côté du pont, mais pas l'autre. Ce truc là, je peux pas. Je peux rien faire de plus. Bon bah on va traverser jusqu'au tuyau des lapins crétins puisque c'est ce qu'il me demande. Hein. Par là la suite, mais le pont n'est pas assez. Le pont n'est pas assez long pour atteindre l'autre côté. Pardonnez-moi, peut-être que la grue peut vous y aider. Oui, d'accord. Maintenant, je dois venir poser le. Oups, ouais, bouton. On est bientôt niveau 27. Maintenant, oui, je dois poser le.
le conteneur pour terminer. Voilà. Les efforts de reconstruction furent interrompus par l'arrivée des pires vilains pabots de la galaxie, l'armée de Kursa. Sachant que les autres planètes, bien plus peuplées, étaient sûrement en danger, Moment se devait d'agir. Mais comment ? Bon. Allez, on va se faire K.O. Kamek. En espérant qu'il soit pas trop long. Survivre. Bon, bah dans ces cas-là... Vous avez déjà affronté des Kamek? Croyez-moi, ils sont dangereux. Ils peuvent facilement fortifier n'importe quel allié à proximité. En plus, ils ont une baguette qui inflige des dégâts à plusieurs héros dans une zone précise. Ok, Ils apparaissent sans cesse sur le champ de bataille, mais ne vous découragez pas, si vous gagnez, je pars avec vous. Et bien dans ces cas-là... Alors, il nous faut de la résistance. C'est très bien. Ouais, non, la meilleure résistance, c'est quand même d'attaquer. Allez. C'est d'éliminer rapidement et de loin. Alors, voyons. Il y a un Kamek là. Il y a du... Larbin des mers. Il y a un Kamek là-bas. Il y a un Kamek là-bas. Il y a du larbin des mers. Déjà. Si tout va tenir. Résistance à presque à tous les effets quoi. Ouais, presque tous les effets. Faut des dégâts purs. C'est bien qu'un mec hein. Ouais. Essayer de se faire le Kamek qui est descendu hein. Ah.
Défense, c'est la technique. Hein. Ok, on peut pas détruire le. Ok, où est-ce que je vais me placer? Normalement, si on n'a pas d'autres qui apparaissent... Oh purée... Ça va... Ça va. Oui, bien sûr... Bien sûr... Ah, il est juste... Donc lui c'est pas de poison mais du vent.
pied. Bon, le vent, je suis un peu loin. Yaha! Même si c'est pas énorme. Hmm.
Faiblesse cyclonique. Très bien. Ok. Faiblesse cyclonique, il y a. Alors Mario. Oh yeah. Voilà. Et Mario, tu vas faire ton lâche. Okidoki. Faut juste résister. Oh non. Oh là. Pas résister. Oh. Quoique. Ouais non. Quoique, quoique. Voilà. Okidoki. Eh ben, Mario a fait son lâche, mais ça marche. Très bien. Ok. Voilà, et on s'arrête là pour cet épisode, pardon. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien, allez bye.